Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les défis d'opération chute de neige. Enfin, je vais vous présenter le premier défi. Alors, obtenez des récompenses en accomplissant les quêtes de l'opération chute de neige pour récupérer des récompenses. Donc, regardez-moi ça, les récompenses. Attendez, on va aller ici. Opération chute de neige. Donc, en fait, il y a déjà plusieurs défis. Là, il y en aura dans 23 heures, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Et regardez toutes les récompenses qu'on peut obtenir. Tout ça, c'est à droite, c'est trop stylé. Alors, accomplir des quêtes d'opération chute de neige. Ok, bon, ça, c'est les opérations qui sont juste en bas. Ici. Il faut accomplir des quêtes d'opération chute de neige, mais il faut quoi? Bah, pourquoi il y a deux fois le même, wesh? Vous pensez au niveau d'un? Ouais, bah là, il faut en accomplir 9, et là, il faut en accomplir 12 pour débloquer le premier et le deuxième skin, ok? Alors, les deux autres défis sont visiter plusieurs avant-postes de Neigeorium, Neigionnaire, putain, j'arrive pas à le dire, Neigionnaire, et fouiller des coffres aux avant-postes des légionnaires. Donc bah voilà, tout simplement, je vais vous présenter ce défi qui est de visiter plusieurs avant-postes de légionnaires. Et ensuite, bah, il faudra fouiller des coffres dans ces avant-postes. Donc c'est parti, let's go, je vous montre les emplacements tout de suite. C'est parti. Alors le premier emplacement que je vous montre, c'est l'emplacement qui se trouve juste à côté de Pleasant Park. Et regardez, il y a même des avions disponibles. Et le poste de Neigionnaire, il se trouve juste ici. Donc voilà, visiter plusieurs postes de Neigionnaire. Alors je sais pas si on peut visiter le même à chaque fois, mais n'hésitez pas d'essayer de me le dire en commentaire si vous pouvez à chaque fois relancer une partie et visiter le même. Mais attendez, je vous le montre exactement où est-ce qu'il est sur la map. Juste ici. Alors ça c'est le premier emplacement. Maintenant je vais vous montrer les autres emplacements. Regardez, les largages aussi ont changé. Maintenant c'est des gros paquets de cadeaux. Donc voilà, la mise à jour Noël est en train de commencer tout doucement, l'événement Noël est en train de commencer tout doucement sur Fortnite. Regardez-moi ces jolis paquets cadeaux qui sont juste là. Ah ouais, carrément, faut de l'essence dans l'avion. Putain, faut que je mette de l'essence dans l'avion, mais j'hallucine. Donc là, je vais vous montrer un deuxième avant-poste de Neigionnaire là. Hop. Ah oui, ça c'est bien, ça c'est bien ça. Je lâche le truc et hop. Donc regardez, deuxième avant-poste. Donc surtout n'oubliez pas de fouiller les coffres hein, parce que sinon, comme ça ben, vous faites les deux défis d'un coup. Voilà, parce qu'il faut fouiller 5 coffres dans, visiter 5 postes de Neigionnaire. Donc profitez-en pour tous les faire en même temps. Je vais vous montrer un deuxième emplacement maintenant. Alors j'ai oublié de vous montrer où il était le premier emplacement. Il était juste là, plus ou moins, vers en dessous de Holy Edge, je dirais même juste là. Et là il y a un deuxième avant-poste. Il se trouve juste là où je suis en train de tirer. Donc je vous montre voilà, juste ici. En fait, on le voit sur la carte, hein, juste à côté de Slurpee Swamp. Et pourquoi celui-là? Ah, bah, il est là. Il est là, le premier que je vous ai montré. Enfin, le deuxième que je vous ai montré, il est juste là, en dessous de Holy Edge. Ok. Alors, visitons le troisième avant-poste. À mon avis, comme je suis passé au-dessus, ça a fait comme si je visitais les trois trucs. Hein. Attends, je vais regarder quand même. Mais je pense que oui, hein. Est-ce que j'en ai fouillé, visité 3? Oui, j'en ai visité 3. Est-ce qu'il y a un deuxième coffre? Oui, parfait, il y a un deuxième coffre. Donc ça fait que je suis à 3-3. Oh, il y a même des petits cadeaux là. C'est plaisir ça. Bon, attends, parce qu'il y a un ennemi là. Ok, bon, vas-y, on démarre. Je vais essayer de vous montrer deux autres avant-postes. Alors, il y a un petit bug parce que j'ai relancé une partie. Et l'emplacement de l'avant-poste qui est juste ici à côté de Steamy Stack, donc juste ici, attendez, je vais essayer de vous montrer la carte. Donc là où il y a la caméra, et bien l'avant-poste n'y s'y trouve pas. Donc voilà, j'ai relancé une game et l'avant-poste qui se trouvait là n'était pas là. Donc je sais pas pourquoi, ça bug. Mais en tous les cas, le quatrième avant-poste est juste à côté de Steamy Stack. Et le cinquième et dernier avant-poste se trouve près de Catty Corner, donc juste au-dessus de Catty Corner. Je vais vous montrer ça. Donc regardez, on le voit d'ici. Mais pareil, tout à l'heure, j'ai lancé la partie et il n'y était pas. Donc, première partie que je fais, il y a les trois avant, enfin, je trouve trois avant-postes et ici, après, je ne trouvais plus rien. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a un bug, ils apparaissent une fois sur deux. Donc là, regardez où il y a ma caméra, c'est juste en dessous de Catty Corner, donc juste ici. Donc là, c'est le cinquième emplacement. Donc, quand vous aurez visité les cinq emplacements des avant-postes de
de Négionnaire, ouais, et bien vous aurez terminé le défi et vous débloquerez votre première récompense de Noël. Donc voilà qui termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était sur CoolMec et ciao, peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh.